coincé dehors. J'avais joué aux jeux vidéo toute la journée, enfermé dans ma chambre, j'étais sorti prendre l'air. J'ai ouvert ma porte pour descendre les escaliers. Toute la famille était assise dans le canapé à regarder la télé d'un air vide. Je suis passé rapidement pour sortir dans le jardin, par la porte de derrière pour fumer ma clope. J'étais assis sur les marches et il me restait à peine quelques taffes quand j'ai entendu la porte se claquer, suivie du bruit du verrou. Je me suis relevé, j'ai tourné la tête. Ma mère se tenait derrière la porte. J'ai commencé à rigoler et je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle me regardait droit dans les yeux sans rien dire. J'ai arrêté de sourire quand je lui ai de nouveau demandé pourquoi elle m'avait enfermé dehors. Elle est restée immobile, le visage dénué d'émotion. J'ai fini ma cigarette et j'ai jeté le mégot. J'ai essayé d'ouvrir la porte et de jouer avec la poignée. J'étais vraiment enfermé. Je lui ai demandé de m'ouvrir. C'est là que j'ai vu mon père et ma sœur se tenir derrière ma mère, tout aussi neutre et immobile, le regard fixe. Là, j'ai commencé à frapper la porte. J'ai hurlé que si c'était une blague, ce n'était vraiment plus drôle. Ils ont continué à m'observer. Je me suis dit que la porte de devant était ouverte. J'ai sauté par-dessus la barrière et sprinté vers l'avant de la maison avant qu'il ne ferme aussi ce verrou. J'ai failli me faire écraser par une voiture qui se garait. C'était celle de mon père, et tout le monde était dedans. Je me suis rappelé que j'étais seul à la maison.